Bonjour à tous et à toutes, c'est Gogo38 et Fort. Je fais une nouvelle vidéo, la présentation de mes deux derniers locaux que j'ai créés. Donc ils me servent de magasin actuellement, mais bon, on peut en faire autre chose si on veut. Donc je vais commencer à les présenter. Donc celles-ci, vous ne les trouverez pas en magasin. Voilà. Donc je les ai mises sur plaques de route. Donc ça, ce sont les anciennes plaques de route, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai fait deux magasins avec différents outillages. Donc j'ai mis une fenêtre, hein, la chose basique. D'un magasin, l'autocollant, les éclairages et j'ai mis une parabole. Voilà. Pour faire ce magasin, j'ai acheté des colonnes. Ils sont blanchâtres marron. J'ai mis des grises aussi pour que ça fasse un effet de couleur. Voilà. Donc vous les trouvez sur des sites de pièces détachées de Lego. Et j'ai mis un toit basique, hein, avec des plaques pour couvrir le petit trou qu'il y avait là-dessus. Après, je passe à ma deuxième réalisation que j'ai faite. Donc, je l'ai appelé Jules. Donc, le magasin Jules de vêtements pour hommes. Je sais pas si vous connaissez. Donc, voilà, j'ai même mis une petite porte pour rentrer dedans. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, voilà. Hein. C'est pas petit, hein, rassurez-vous. Vous pouvez mettre plein de choses dedans à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà, c'était les gros trucs du défi. Présentation de mon magasin Nespresso et de mon magasin Jules. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je rappelle que ces magasins, on ne peut pas les trouver en magasin. On peut les trouver sur des sites de pièces détachées pour les refaire. Voilà. Salut!